décidez donc de descendre à la cave? Ouais, trop le choix, mais bon. Comment C'est une allez-vous tarte. vous barricader à l'intérieur? Tout ce qui passe sous la main, tout ce Mais. qui est susceptible de résister, on le met. C'est parce que Il y a ça des. explose, vénère. De toute façon, il y a des Est-ce que je cages. peux. Est-ce que je peux le geler après histoire de le maintenir le bordel ou Oui, pas? parce que c'est une bonne idée, parce que je vous Oui. préviens, quand on va ressortir de là, on va genre, tu sais, on va ouvrir la porte, et puis on va mettre la tête dehors, et ça va être un grand désert. Au pire, tu peux pas garder du mana pour moi. Non, mais c'est pas grave, Oh, mais. au pire, je peux lui transférer mes points de mana. Il faut du Attends, thé. juste. Comme j'ai avancé un petit peu, j'interromps rapidement parce que en fait, je suis toujours en train de prendre des dommages à cause de mon armure qui me fond littéralement dessus. Est-ce que je peux rapidement, comme j'ai pris un tout petit peu de répit, comme ils sont quand même dehors, on a genre une minute là, Oui. pour enlever genre juste ma jambe droite, genre juste C'est pas comme l'enlever, ça. Tu pour t'enlèves la enlever jambe. mon armure, Oui, tu peux. enlever, en, Le mec, c'est un enlever Playmobil. pour arrêter de fondre. Je Peux, suis un Lego. effectivement. Donc en fait, j'aurais juste, je serais à moitié en calbut, mais bon, c'est pas grave. Je trouverai une Du coup, pendant armure ce temps-là, moi, je vais un juste jour. gueuler tous en bas. Tu vois, genre, en mode vous courez. Et du coup, bah, je vais les poser, je sais pas, sur la table. Très bien. Une espèce Pourrais-tu de déplacer les deux mélangement PNJ là. Siegfried? Voilà. Et tant pis, du coup, si jamais on me touche là, j'aurai pas d'armure, tant pis. Le sous-sol, go, 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 le sous-sol, ouais! Oui, parce Ouais, que le mec c'est la Ego il veut merde. tout seul. Ouais, ça reste. Je suis Oh, j'ai une idée! Attends, on peut peut-être emmener de la bière pour faire sauter tout. Ah non, ça fait pas Non, mais exploser. j'ai une idée pas con, honnêtement. Tu vois les tonneaux? Ils Boucher sont pleins. l'entrée. Ils sont pleins ou ils sont vides ces tonneaux? Ils sont Ils pleins. sont vides. Elles sont pleines. Très bien, bah on en emmène un en bas et on en met un ou deux devant la porte, tu vois. Ouais, franchement, c'était mieux. Ouais, clairement. Je pense qu'on fait ça, c'est pas mal, parce que mine de rien, les Ouais. tonneaux pleins, il y a quand même du liquide. C'est pas très résistant, mais c'est toujours ça de pris, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Du coup, on Vous en emmène en décidez bas? d'en prendre combien en bas? Un, je pense, suffira. Un. Sinon, après, on va prendre trop de temps, ça va exploser. Ah. Non, En gros, ma tranquille, on pierre, elle est peut. instable. Elle explose à tout moment. Est-ce que le liquide dedans, je peux le geler? Ouais, on Tu en peux, prendra un pour pas prendre trop de temps. effectivement, Je peux? mais. Ça sert pas à grand chose, Oui. honnêtement. Pourquoi de geler? Le Comment mec, il peut faire ça? il veut faire de la glace à Je la vous bière. laisse vous déplacer vers le sous-sol. Allez, venez, je vous traîne jusqu'en bas. Et je vous pose genre là. Vous allez là? Ici, je vous pose sur les tables. Genre, je vire les trucs sur les tables et je vous pose dessus. Ok. On est Genre, mec. d'expérience. Genre, mec, je suis devenu Hulk pendant une seconde, j'ai tout carry. C'est trop simple. Ils sont plus là, les. Y a plus personne là-dedans. Non. Tout le monde est mort. Ah, bah au pire, on a déjà le tonneau en bas, donc c'est parfait. Il n'y a pas genre des. Est-ce qu'on peut utiliser des papiers pour bander les blessures des. Pour bander rapidement les blessures des gens qui piquent le sang là. Vous pouvez toutefois quelque chose de plus pressant. Au pire, S'offre à vous. t'inquiète pas. Il y a une T'inquiète pas, porte j'ai ici ceci ou pas? entendez une déflagration telle que vous n'en avez jamais entendu. Il Ah y a oui, une par porte. contre là, quand ça explose, ça rigole pas. Là, il y a une porte Le ou pas? sol tremble, bien que vous soyez en profondeur. Vous sentez tout l'édifice trembler. Vous entendez un bruit comme si la nature avait été pulvérisée sur des kilomètres. Tout sous la table! Et moi, tout ce que je vais faire, si je puis me permettre, tout ce que je vais faire, c'est genre mettre les bras un peu en avant et rien à faire. Ouais, ça c'est ma caillasse. Moi je vais là, je me mets sous la table. Ouais. En boule. En Le boule. vieux mage. Y a rien sur les tables dont on pourrait se servir. On voit des cartes et tout. Vous pouvez vous servir des cartes éventuellement. Ouais, Toutefois, servir. ça ne fera pas spécialement de bon bandage. Effectivement. Je peux Il vous y a proposer un globe, là il y a un bouquin. Hein, les gens? Hein? Moi, je vous propose un truc très simple. On se pose tous sur les tables tranquillement. On se sert un verre de bignasse parce que là, on a le temps avant que le feu s'éteigne là-haut. Parce que ça a explosé sur des putains de kilomètres. Donc, je pense qu'on va passer la nuit ici. On va se dormir La tranquille. On va se créature un peu. ici. Je suis pas si sûr, moi. Et y soigner, en effet. De la Effectivement. créature ici émane un léger halo. Quelle créature? Aïkal, Aïkal, ici. c'est la gonzesse qu'on a ramenée. Ah, lui, elle. Enfin, ouais. Vous récupérez tous un Oh PV. Sauf Moria qui est dans oui! le coma. Et boum, Bolossène! Ah oui, au passage, fallait que je le ressuscite, lui. Du coup, Non, t'as la mana pour sérieux? ou pas? Fallait que tu le fasses? Bah, c'est ce que. Est-ce que t'as la mana pour? J'ai 2 de mana. Sur mes trucs de soins me coûtent un point de mana en moins. Je pense que ça devrait le faire. Oui, c'est ça. Ça passe. Très bien.
C'est qui est le plus bas en vie? Je dois faire un jet, non? C'est moi. Oui, tu dois faire un test. À part quelqu'un qui est mort. Ne nous donne pas des bouteilles. On est tous les deux à un point de vie. Non, le mage et le mage et le néogicien, c'est ça? Yep. Vous êtes à deux, les gars. Non, tout le monde a récupéré un PV, les gens. Vous êtes tous les deux plutôt à distance. On est tous à deux minimum, hein, de PV. Non, moi je suis à vous, elle nous a régène en effet. Bah, rajoutez le point de vie, du coup. Et t'as plus d'hydromel magique? Si, j'ai encore une demi-bouteille. Mais ça soigne pas. Ça soigne pas. Ouais, ça donne juste un bout d'énergie. Ça donne de la vie temporaire. Roderick. Ça donne de la vie temporaire, mec. C'est magique. Oui, mais pour l'instant, on en a pas besoin. Qui résume. Ouais, mais ok. Bah, dans ce cas. Tu concentres je vais quand ta volonté. Même et pour une fois, tu parviens à maîtriser l'élément qui te permet de ramener la vie. C'est bon, notre Mauriac se réveille. Qu'est-ce que tu dis? Bah déjà, je fais quelques petits bruits de gémissement parce que ça fait mal. De base, la douleur s'en va pas comme ça. Et j'ai l'air tous en mode on est où là? D'ailleurs, si je leur pose comme question, on est où? T'inquiète, on est en sécurité. On est dans la cave. Vous permettez que je lui explique rapidement? Vas-y. Bon, c'est simple. Tu vois ma caillasse magique que je t'avais montré au début? Non. Normal, je te l'ai pas montré. Bref, j'avais une caillasse. Et il se trouve qu'elle était légèrement magique. Donc en gros, tu vois là-haut? Ouais. Sur grosso merdo, 5 km, tout est détruit. Et tu te balades tout le temps avec ça? Ah non, maintenant je l'ai plus, elle a explosé. Ouais. T'en as qu'une? Malheureusement. Non, pour moi c'est plus heureusement parce que là, je pense que si on n'avait pas eu la guerre, on serait tous passés. Donc, voilà. On est dans une cave et on attend que ça se tasse. En picolant un petit bromel, évidemment. C'est normal qu'il ait ça, quoi. Du coup, tu vas boire? Ouais, je veux bien. Bah, du coup, la chope vide! La chope vide, les gars! On va se la partager, la chope vide! Je vous l'avais dit! C'est toujours utile de prendre un truc en main. Il a pensé à tout! Il a pensé à tout! Du coup, je vais prendre ma chope vide, je vais la remplir en lettres d'un an en tendant ma chope en mode. Je vous l'avais dit, bande de cons! Hein? C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Oh, mais mec, mais on est tellement bien! J'ai des lapins, j'ai de l'herbe pour le thé, j'ai des bougies, j'ai des parchemins pour faire du feu. On est trop bien! Toujours mes 5 de bouffe, moi. J'ai volé tellement de trucs. Tandis que vous pensez, vous commencez à vous organiser pour attendre, vous vaquez chacun à des tâches différentes. Certains vont amasser des parchemins pour faire un feu de fortune improviser un endroit où vous pourriez cuisiner. D'autres s'arrangent pour laisser un petit interstice entre les tonneaux pour pouvoir respirer. Oui, par contre, attends, enfin, juste parenthèse, excuse-moi, mais faire un petit feu improvisé dans une cave, je crois pas que ce soit la meilleure solution pour survivre. Il y a une aération. Il y a une aération sur le dessus, la trappe, elle est pas complètement fermée. Enfin, là, elle est fermée, aussi, hein. Mais il y a des trous dedans, ça a explosé de partout, plus rien tient, tu sais. C'est Maël, te sont. C'est pas genre écroulé. Ta gueule, c'est magique. Voilà. D'accord. Le scénario. Le scénario. Le scénario, parce que sinon vous allez crever. Voilà, bon. Non, mais de base, il y a ça aussi. Il y a les, voilà. Les torches. Il y a des torches. Il y a une aération. Il y a des torches de base, donc il y a une aération de base. Voilà. Et sachant en plus que la cave fait ceci, hein, c'est-à-dire que l'aération est sans doute. Enfin. Je veux dire, en fait, le domicile de base, il est pas au-dessus. Enfin. Voilà. Pas compris, quoi. Il est un peu en biais. Absolument pas, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. En gros, ça, c'est pas tout là où on est, c'est pas en dessous la grosse structure de base. C'est si. Un petit peu à côté. Si? Si, c'est en dessous. Ah, ok. Ah, c'est en dessous, d'accord, ok. Normal. Oui. Est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil dehors pour voir, juste pour contempler les dégâts de mon caillou? Parce que depuis le temps que vous l'utilisez, quand même, j'aimerais bien. Genre, regarde en l'air. Tu ne peux pas encore. Très bien. Pas tout de suite. Nice. Tu n'es pas encore sûr que les dernières émanations magiques soient parties. D'accord. Vous vous organisez pour attendre peut-être un jour dans cet endroit. Bah du coup, je vais leur montrer tout ce que j'ai. Je vais leur faire, c'est bon, j'ai des lapins, j'ai de quoi faire du thé, on est bien pour l'instant. Vous êtes dans l'auberge, dans le sous-sol de l'auberge plus exactement, depuis une bonne heure.
Vous êtes relativement calme. Vous commencez à panser vos blessures et tenter de recouvrer peu à peu de vos forces. Ok. Bon bah moi du coup j'ai transféré mes 3 points de mana hommage. Je peux vous proposer un plan rapide du coup? Vas-y, Moi je m'occupe du feu et de la bouffe. vas-y. Pendant ce temps-là, notre ami Erin va aller en haut pour s'occuper de ce qu'il voulait faire. De ce que je me rappelle, je sais plus c'était quoi. Les barils pour respirer. Voilà les barils pour avoir un peu plus d'aération, etc. Et pendant ce temps-là, mec, jette un coup d'œil dehors. Histoire de voir l'état, parce que je pense que c'est pas beau à voir, mais on vaut mieux qu'on ait un état. Et pendant ce temps-là, notre ami Roderick va lancer des sorts de chant à la chaîne jusqu'à ce qu'on soit full vie. Ouais. Enfin, au moins moi. Et Exactement. les autres trop de vie, je pense. Oui, enfin, au moins Non, ça va moi je mettre veux bien, bien. moi je veux bien de la vie, moi. Enfin, Et je veux pendant ce même. temps-là, Mauriac, je te propose de faire sur la table. Non, moi je m'occupe d'elle parce que je vois Ah, si mais elle est pas trop t'es dans le blessée. pâté quand même, hein. Ouh, il est un peu vaseux, mais c'est pas. Un peu. Et il vient de sortir d'une Voir quand quasi-mort. Ouh, il a une gueule de bois, quoi. Une grosse gueule de bois. Il est Pardon. courbaturé, il est blessé certes, mais il est encore en possession de ses moyens pour effectuer de petites actions. Très bien. Ah oui, par Bah, contre, nous j'aimerais bien allons. aussi récupérer ma dague de ce... qui est à. Normalement, C'est le c'est mec qui utile. va, il va sur le nain, il le retire de l'épaule. Tiens, ça c'est à toi. Non, non, je l'avais retiré, je l'avais retiré. Elle était dans ma poche. Allez, Du dans coup, je ma vais le poche, sortir de ma ma poche. Je vais la sortir de ma poche et vais la donner à Roulpes. Ah oui, roule fait. Je vais lui rendre sa Bon, du dague. coup, très bien. moi Avec je vais faire mes. un petit œil du genre. T'es une merde, hein. Tu sais que je voulais t'aller aussi, ça. En fait, C'est si qui? moi je suis bon parce que je touche des gens, au moins. Et pas les bonnes. Après, c'est pas la même chose. Après, on Moi peut aussi parler d'image je suis quand j'ai bon trois avec amis. mes. Je suis bon avec mes cônes de glace, moi, hein, ça va. Moi je touche tout le monde. Le C'est mec, le il a cru mec. invoquer des Captain Igloo. Le mec, Ah à la ouais? base, genre, c'est un aventurier comme ça, il se pointe avec nous et tout, il nous lance des couteaux dessus là. À la base, j'étais aventurier, puis je me suis pris un éclat de glace dans le genou, mais puis je suis garde. Bon, du Du coup coup, tu voulais quand si même je regarder. fais. Ouais, pardon, vas-y. Du coup je fais 3 jets ou un seul jet pour tout? Une Ah, très trois, grosse c'est cool. question qui se pose à toi. Tu peux choisir deux options. Tu peux choisir de concentrer ta volonté beaucoup plus et lancer un très gros sort de soin qui aura peut-être des effets supplémentaires. Ouais. Toutefois, si tu le rates, toute C'est la la mana sera perdue. Ouais. Ou alors faire 3 jets. Je peux te proposer un truc? Oh, je l'ai même Ouais. plus. Essaye de faire un sort pour deux, genre un sort à 2 points de mana pour faire un double heal et éventuellement faire un 5, et faire un deuxième parce qu'au moins t'es pratiquement sûr de pas rater les deux quoi. On aura un Oui. minimum. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai un malus sur le double ou pas? Non? Non. Ça Bon. m'étonnerait, calme. Moi, du coup, je suis 90 de toute façon, donc. Le heal tellement violent! Ouais, bah j'ai 80 d'intel et 10% de concentration. Ah vas-y lance tes jets mec. Donc attends, ça. J'avais pas. Mais l'Aurélien parce qu'il ne vaut rien. 67, donc voilà, ça c'est pour le double. Très bien. Et pour le normal. Pour le normal, 36. 36. Vous regagnez tous 6 points de vie. Ouh. Oh, juicy. Du coup, moi je passe à 8. Oh, je suis Donc je quasiment suis full full. life. Je suis Putain, quasiment full. ce mec est trop fort. Il me heal pile poil le nombre de HP qui me manque. Oh, ça c'est propre. Ça, c'est propre, ça. Oh, t'es tellement pratique, mec. Mec, il me manque un PV. Oh, et bah, Pardon, t'iras te faire foutre, tu boiras du thé magique, comme tout le monde. le problème de ce personnage, c'est juste qu'en moment de stress, il préfère attaquer ses ennemis. Enfin, ses alliés plutôt. De la glace. Du coup, tu m'autorises à. Enfin, tu veux que je fasse un jet pour préparer le feu et la nourriture? Tu réussiras de toute manière, toutefois, de ta réussite dépendra peut-être un effet additionnel. Le thé magique, on y croit. Prépare le thé. C'est propre. Je fais des jets d'enfoiré depuis tout à l'heure. Jusqu'au moment où il fera un critique, un échec critique. Oh, je l'ai déjà fait. Tu veux parler de ton sang? Tu Oui. installes un petit feu à partir des quelques parchemins que tu as, ou des parchemins qui sont sur la table. Je vais On peut plus prendre péter ceux les sur la tables table, aussi. j'ai pas gaspillé. Très bien.
Est-ce que tu jettes un coup d'œil à ces parchemins avant toutefois de les brûler? Évidemment. Tu remarques d'anciennes cartes de contrées qui te sont inconnues. Mais ça, je le garde directement. Genre, je Je jette les n'irai miens pas. si c'est des cartes. J'ai des parchemins vierges, donc je les garde. Je garde ceux qui sont utiles niveau cartes, etc. Très bien. Tu effectues ton feu, tu commences à faire chauffer. Est-ce qu'il te reste à des herbes ou... Alors, je vais dire ce qu'il me reste. Il me reste 2 herbes pour le thé, 2 lapins, des champignons, 3 jours de nourriture et 3 herbes pour la tisane. Très bien, Donc, qu'est-ce que on a tu de quoi faire un décides de petit faire? gaspillage. Bah écoute, je vais nous faire un petit mijoté de lapins aux champignons. Tu vas me tirer des nouvelles, ma couille. Très bien, je te laisse déplacer ton token à côté du feu. Tu vas préparer ce repas. Du coup, je vais faire un petit mijoté de lapin farci avec 2-3 champignons. Et puis 2-3 petits croutons, vu que j'ai de la nourriture, je suppose qu'il y a un peu de pain dans le plat. Comme ça, on Pendant aura un ce bon petit temps, plat. Irine, qu'est-ce que tu fais? Ouais, voilà. Donc, ce que je voulais demander, c'est justement, Alcal, pendant cette heure, elle n'est pas restée comme un plot figé, là, en nous regarder. C'est pas possible. Non, effectivement. Du coup, je voulais, pendant ce temps-là, moi, je voulais l'observer, regarder comment elle réagissait, si jamais elle avait changé d'attitude, voir son attitude, quoi. L'observer. Elle réagit de manière curieuse et semble se soucier de votre état. Elle a également jeté un œil aux cartes et a eu un visage quelque peu mélancolique en les regardant. D'accord, elle n'a pas l'air blessée ni... Tu remarques des blessures au ventre, mais celle-ci ne semble absolument pas la gêner et elle semble se refermer d'elle-même. D'accord, en fait Non mais c'est tu peux... Wolverine. C'est n'importe quoi. Bon, très bien, bah c'est juste ce que je voulais savoir, c'était si elle était blessée et si elle était pas énervée, je sais pas, si elle allait bien, quoi. Voilà. Ok. Elle n'est pas énervée du tout, elle est curieuse et semblait s'inquiéter avant que vous soyez soigné de votre état. Et après ça, je vais m'occuper tout simplement des barils, faire, je sais pas, essayer. De toute façon, j'imagine qu'il faut vérifier qu'il y a une ouverture pour respirer, quoi. Ouais, ça Très fait une bien, heure qu'on est je te là, laisse te je pense que déplacer. c'est là. Ok. Voilà, Bon, bah, moi j'aurais deux histoire de questions à faire. poser. Oui, vas-y. Alors déjà, qui c'est ce machin qui se transforme en phénix? Et qui c'est ce type? Moi, je peux t'expliquer rapidement si tu veux. Vas-y. Au Alors, coup du feu. ce type, on l'a rencontré dans la forêt au pif. Tu lui demanderas qui c'est, il te répondra ce qu'il a envie. Ouais. Et elle, en fait, elle, c'est entre guillemets une invocation. À la base, c'était un phénix. Enfin, un phénix harpie mélangé un peu à hybride dégueulasse. Mais elle est gentille. Ouais. Elle est gentille et on l'a aidée parce qu'elle avait l'air plutôt sympa. Et apparemment, notre paladin devint option chaman au lycée. A compris que ça, enfin, pour lui, elle avait une importance capitale. D'accord. Et encore juste une petite question. Qu'est-ce qu'il est devenu avec Fess? Il est mort. D'accord. Ok. Il est mort à cause du T'inquiète poison pas, de il a bien Kéren. soufflé. Il a eu du poison de Kéron dans ses poumons, pardon. Il était en train de fondre à l'intérieur et il a fondu. D'accord. Il Et est on l'a devenu enterré. un ragoût. C'est que On ça l'a me passe autre enterré. chose pendant que je suis pas là. Évidemment, pendant que je dormais. Car tout Normal, reste c'est heureusement. vrai. Normal, normal, normal. Le mec il dormait pensant à l'enterrer. Non mais moi de base j'ai vraiment du mal à m'attacher aux gens donc. Si tu veux, tant que ça fait pas un bout de temps que je vous connais, j'en ai strictement rien à foutre. Non, tant qu'on te donne pas des pièces d'or, t'en as rien à foutre. Non, pas que. Option ça, mais il y a aussi si je vous connais bien, ça me ferait mal. Mais si je vous connais pas, j'en ai strictement rien à branler que vous m'auriez. Là pour Bon, l'instant, moi je commence à je vous m'attacher les gens. parlais. Luanalia se redresse un peu et s'assoit sur le bord de la table. Je peux Ok. le dire doucement. Ne vous inquiétez pas. Je vous suis reconnaissant de vous soucier de mon état de santé, mais ça va très bien. Merci. Est-ce que le repas est bientôt fini? Oui. Ah nice. Parce que là Manger! je vous ai fait un petit mijoté de la paix aux champignons et aux croutons, vous allez me dire une nouvelle couille. Allez maintenant, on va manger. Et puis aussi j'ai fait un petit peu de thé, évidemment. Ouais, le fameux thé.
Du coup, attends, je me retire tout ça. Parce qu'on a deux lapins pour quatre, parce que l'autre, elle mange pas. Ouais. De ce que je sais. Donc, attends, je me retire le phoenix, là. Ouais, la meuf, elle mange pas. C'est ça, c'est bizarre, en fait. Je me retire les lapins, je me retire genre 5 ou 6 champignons. Attends. Tac. Bon, en fait, elle a pas l'air vraiment organique, en fait. C'est vraiment bizarre. Elle a l'air faite d'énergie pure, en fait. D'accord. Et bon, c'est un peu la base de toutes les énergies. C'est vraiment bizarre, en fait. D'accord. Ouais. Et du coup, vous aurez le choix entre thé et bière. C'est cool. D'accord. Et mec, dans quoi t'as fait cuire ton lapin et tes champignons ? Justement, on a fait un feu et il y avait des ingrédients d'alchimie. Donc j'ai fait cuire le tout dedans. Tu sais, gros trucs d'alchimie. Ingrédients d'alchimie. Sinon, je pensais que t'avais retiré le pic du bit de Luanalia et de la jambe de Mauriac et que t'avais fait de la flotte avec ça. Faire bouillir dans la casserole. Mais non, moi je fais cuire les lapins et ensuite je vous fais un petit mijoté de chez moi, ma couille. Une question très importante. Allez-vous prendre la bière ou le thé, Erin? C'est très important. Est-ce qu'on peut faire un mélange des deux? Non, je vais prendre le thé, Franchement, je vais prendre le thé, je suis pas complètement abruti. Roderick? Moi, je connais les bienfaits pour ma mana du thé, je vais prendre du thé. Allez, Dierne. En gros, la bière, ça te mettra plus, genre, du coup, ça te donnera du courage. Je vais prendre 3 shops au lieu d'une, je vais les remplir de bière, je vais boire les 3. Mariac? Ça va te donner. J'ai juste une question, il l'a fait avec quoi son thé? Avec des herbes que j'avais ramassées dans la forêt. Non, t'inquiète, il les connaît. Non, en fait, j'ai pris des poils de bite. Et l'eau? L'eau? Mais on t'a pas dit, c'est ce que t'avais dans ta jambe tout à l'heure. Ouais, c'était ce que t'avais dans ta jambe, mais nettoyé évidemment. Donc, ouais. Bah, de base, il boucle, tu sais. Et de base, l'eau est au bout, donc. Je suis plus thé, moi, de base. Donc, ouais. Très bien. Bon, bah, tu prends 4 bières. Le MJ, toi, tu prends quoi? La plus grosse cuite de sa vie, voilà ce qu'il prend. Moi, je ne prends rien du tout. Par contre, Luanalia accepte une tasse de thé. Ok. Avec elle reste en retrait. Est-ce que vous faites des actions particulières? Ah, du coup, tu voulais pas nous interroger un peu, le mage? Du coup, Siegfried, comme je me suis un petit peu écarté là, j'étais parti checker les tonneaux. Oui, du coup, j'ai tapé dehors. Est-ce que, voilà, je peux écarter un tonneau qui se trouve genre... Tout à fait, même... tu y parviens et tu jettes un coup d'œil à l'extérieur. C'est l'apocalypse. Tu regardes à l'extérieur comme ça. Vois par endroits des zones lacunaires fumantes. Par d'autres endroits, tu ne vois que des sables qui te rappellent ceux des Landes Désolées. Tu ne vois plus aucun arbre sur un grand rayon. Ah non, mais mec, il y a plus d'auberge, hein. Il ne reste que quelques ruines fumantes par endroit. Mais je veux dire, l'auberge, il n'y en a plus, là. Non. D'accord. Donc l'auberge, elle a explosé. Donc, en fait, je sors juste là et je vois tout, en fait. Oui. Ah non, mais donc, en fait, je vois juste le désert, en non, fait. Non, tu restes ici. Pour l'instant, tu as juste écarté les tonneaux. Tu n'es pas sorti. D'accord. Non, mais quand je te dis que mon caillou, il est magique, je rigole pas. Il explose, ce truc. Ok. C'est une mini bombe nucléaire. Le mec, il a une bombe nucléaire dans la poche, il ne le dit pas, c'est... Wow. Oui, mais là, c'est une bombe nucléaire uniquement quand je l'active, c'est-à-dire quand je la brise ou quand je la rends instable. Et bon, c'est vraiment très peu de rendre bien instable. Et plus d'arbres. Non. Clairement, ok. Ouais. Bon, d'accord. J'imagine bien les 4 mecs sortir de la chambre en mode... Oh putain, le service est merdique. Ils vont dans leur vie, ils qu'il n'y a plus de bâtiment, tu sais. Je vous plairai même pas pour la paix. Putain. Tu sais, il s'adresse au squelette du mec par terre. Je vous plairai même pas, tiens. Gros con. Que faites-vous, donc? Perso, je vais redescendre. On se repose un bon coup. Hein. On se repose ici un bon coup, on ferme tout. Et on reparle le lendemain, parce que là, on a tout le temps qu'il nous faut. Tout a été explosé. Ouais, je pense pas qu'il y ait de... Et d'ailleurs... Vas-y, pardon. Je vais simplement faire le petit rapport de ce que j'ai vu dehors, c'est-à-dire très court. Il n'y a plus rien dehors, c'est un désert avec des trous. Et moi, je vais les regarder, et tu sais, je vais les regarder en mode... Ouais, c'est mon caillou. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'arbres.
Est-ce que je peux les regarder en leur faisant « Bon, moi je vous propose un truc, on se repose, et puis on repart le lendemain, on fait une bonne nuit et on repart le lendemain. » Oui, de toute façon, quel choix se qui est ok. Ouais, bah oui. Oh, moi ça me va, ouais.